Sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la conférence s'est réunie en session ordinaire en visioconférence le 25 mars 2021. Était présent pour le Burkina Faso, son Excellence Monsieur Roch-Marc Christian Kabore, président du Faso. Pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Pour la République de Guinée-Bissau, son Excellence Monsieur Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République. Pour la République du Mali, son Excellence Monsieur Ban Daou, président de la transition, chef de l'État. Pour la République du Niger, son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Pour la République togolaise, son Excellence Monsieur Faure Essomzi Nyasingbé, président de la République. Pour la République du Bénin, le ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République. Ont également pris part aux travaux de cette session les membres du Conseil des ministres de l'UEMOA, présidé par M. Sani Yaya, ministre des Finances et de l'Économie de la République togolaise, ainsi que M. Abdallah Boureima, président de la commission de l'UEMOA, M. Kemoko Meliet Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement, M. Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Elle a également connu la participation des membres d'organes de l'Union. Analysant la situation politique et sociale au sein de l'Union, la conférence salue la sérénité qui a prévalu à la suite des dernières élections présidentielles tenues dans les États membres. Elle adresse ses vives félicitations aux acteurs politiques de ces pays et à l'ensemble des parties prenantes pour leur contribution à l'enracinement de la culture démocratique de l'Union. La conférence adresse ses vives félicitations au président Roch-Marc Christian Kabore et Alassane Ouattara pour leur brillante réélection et à M. Bazoum Mohamed pour son élection à la présidence de la République du Niger. Examinant l'évolution de la situation sanitaire au sein de l'Union, depuis la tenue de sa session extraordinaire le 27 avril 2020, la conférence note les évolutions positives observées dans la lutte contre la propagation de la pandémie de l'Union. Elle salue les efforts déployés par les États ainsi que les organes et institutions communautaires pour parvenir à ces résultats. La conférence, après avoir entendu le rapport des actions mises en œuvre par les organes et institutions de l'UEMOA en 2020 pour soutenir l'activité économique dans le contexte de cette pandémie, ainsi que des actions prévues pour l'année 2021, exprime toute sa satisfaction aux initiatives prises par les institutions communautaires pour soulager les populations vulnérables, soutenir l'économie, en particulier les petites et moyennes entreprises. Elle les exhorte à poursuivre dans cette voie. La conférence note avec satisfaction le rapport de la commission de l'UEMOA sur la situation de la COVID-19 de l'Union et adopte les principales recommandations relatives à la facilitation de la circulation transfrontalière des personnes et des biens. À cet égard, elle fixe à 5 jours, à compter de la date de prélèvement de l'échantillon, la durée de validité des tests de dépistage à l'entrée
et au départ des aéroports des États membres. La conférence décide de la reconnaissance mutuelle des résultats des tests COVID réalisés par les structures nationales habilitées. Elle fixe à 25 000 francs CFA le coût du test de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien à compter du 1er mai 2021. La conférence encourage la réouverture progressive des frontières terrestres dans le respect des exigences sanitaires requises. En temps opportun, le coût du test de dépistage de la COVID-19 sera fixé à 5 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant les voies terrestres. Elle exhorte tous les États membres à prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre de stratégies nationales de vaccination des populations cibles contre la maladie à coronavirus. Au titre du soutien aux investissements privés, les chefs d'État et de gouvernement encouragent les États membres à alléger les procédures d'accès aux fonds de soutien COVID-19 et à stimuler l'investissement dans les entreprises par la mise en place de mesures incitatives. Les chefs d'État et de gouvernement félicitent la Banque centrale pour les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment l'augmentation sensible de la liquidité et la baisse des taux directeurs pour assurer la poursuite du financement adéquat des économies par les banques, ainsi que le lancement des bons COVID-19 pour permettre aux États de lever des fonds importants à coût modéré sur le marché financier. Il l'encourage à poursuivre ses actions afin de contribuer à une relance rapide de l'activité économique. Les chefs d'État et de gouvernement félicitent les institutions communautaires pour la mise en place effective des mécanismes de financement des États membres ainsi que l'appui au secteur privé et au système financier décentralisé. Ils saluent particulièrement la décision de la BCAO autorisant les banques et les institutions de microfinance à accorder à leur clientèle affectée par la pandémie et qui le sollicitent un report d'échéance sur les prêts pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. Il salue également les mesures prises pour réduire les coûts d'utilisation des moyens de paiement digitaux en vue de promouvoir davantage leur usage et contribuer ainsi à limiter les déplacements et les contacts physiques des populations durant la pandémie. La conférence réitère son soutien à l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. Elle adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires, en particulier l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G20 pour les initiatives qui ont déjà été engagées et les invite à soutenir encore plus le continent africain dans sa lutte contre la pandémie du COVID-19. Abordant la situation sécuritaire au sein de la sous-région, la conférence condamne avec vigueur les actes terroristes perpétrés au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Elle exprime sa solidarité et sa compassion à l'endroit des populations de ces pays frères. Elle réaffirme sa ferme détermination à contrer la progression du terrorisme et à faire face à l'insécurité grandissante dans l'Union. Dans le cadre du financement de la lutte contre l'insécurité du G5 Sahel, la conférence salue la contribution des pays membres, notamment du Burkina, du Mali, du Niger, du Sénégal à hauteur de 1 milliard de francs CFA chacun, et celle de la Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la conférence a décidé de l'octroi d'un financement exceptionnel de 2 milliards pour soutenir cette initiative. Cela vient en complément des 5 millions de dollars US déjà décaissés pour les 3 pays membres de la ligne de front du G5 Sahel.
Au titre du renforcement du processus d'intégration, la conférence apprécie les efforts de la Commission dans l'impulsion et le suivi des réformes communautaires. Elle note avec satisfaction les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des chantiers conduits par les comités de haut niveau concernant l'énergie, la paix et la sécurité alimentaire et le financement de l'économie. S'agissant du chantier relatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la conférence note l'état d'exécution satisfaisant des initiatives et mesures en cours pour renforcer la résilience des populations face aux déficits céréaliers et à l'incidence du changement climatique. Au titre du financement de l'économie, la conférence salue les actions de la Banque centrale qui ont permis une détente du coût du crédit de l'Union, un renforcement de la gouvernance des institutions financières et une amélioration des mécanismes de financement. Aussi, la conférence note avec satisfaction les financements de la BOAD qui ont permis d'apporter un appui considérable aux États ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises de l'Union. Concernant la surveillance multilatérale, la conférence note que la pandémie a affecté profondément les économies des États membres. Ainsi, en 2020, la situation macroéconomique de l'Union a connu une dégradation sensible, avec notamment un taux de croissance moyen qui est ressorti à 0,9%, soit une réduction de près de 6 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Dans ce contexte, après avoir rappelé la suspension temporaire du pacte de convergence, de croissance et de solidarité de l'UMOA, la conférence exhorte les États membres à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur les populations et soutenir l'économie pendant et après la crise. S'agissant de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires, les chefs d'État et de gouvernement se réjouissent de l'amélioration du taux global de mise en œuvre des réformes qui est passé de 74% en 2019 à 76% en 2020. Ils exhortent la Commission et les États membres à poursuivre cet exercice. Les chefs d'État et de gouvernement saluent la mise en place par la BCAO du cadre méthodologique d'identification des établissements bancaires d'importance systémique et la réalisation de tests de résistance du système bancaire face aux chocs liés à la COVID-19. Il exhorte à poursuivre ses efforts pour la consolidation de la stabilité financière de l'Union. La conférence prend acte des diligences accomplies par la Banque centrale en vue du renforcement de l'opérationnalisation du dispositif de soutien au financement des PME-PMI et de la diversification des produits de financement des économies. Elle invite les parties prenantes à une forte implication afin de permettre une atteinte rapide des objectifs visés. La conférence note avec satisfaction les progrès réalisés par la BCAO dans le développement et la promotion de l'inclusion financière au sein de l'Union à travers l'interopérabilité des services financiers numériques, la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière, la promotion et l'encadrement des fintechs. Les chefs d'État et de gouvernement apprécient les actions conduites par la Banque centrale pour le renforcement de la sécurisation des plateformes de raccordement des participants au système de paiement de l'Union, ainsi que pour la vulgarisation des textes réglementaires dans le cadre de la mise en œuvre des réformes comptables et prudentielles auprès des établissements de crédit. La conférence salue les mesures prises par la BCAO pour renforcer les activités des bureaux d'information sur le crédit. Elle l'exhorte à poursuivre ses efforts visant l'amélioration de l'étendue de l'information sur le crédit dans l'Union. La conférence relève avec satisfaction la contribution de la BOAD
au soutien des actions de développement des États membres, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets et programmes d'investissement qui s'est traduite concrètement par la mise à disposition de financements conséquents. Les chefs d'État et de gouvernement saluent les efforts consentis par la BOAD pour la mobilisation de ressources des mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au profit de projets environnementaux de l'Union. Il l'encourage à poursuivre et intensifier ses actions dans ce domaine afin de contribuer au renforcement de la résilience des économies au changement climatique et améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. La conférence félicite la BOAD pour l'approbation de son nouveau plan stratégique 2021-2025, plan Yuliba, qui permettra d'augmenter l'impact de ses interventions en termes de résultats de développement via la création d'emplois et la construction d'infrastructures de transport pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, la facilitation de l'accès à la nourriture à travers la production agricole et l'augmentation des capacités de production énergétique. Les chefs d'État et de gouvernement exhortent les organes et institutions communautaires à poursuivre leurs actions de promotion des partenariats publics-privés en vue d'une bonne mise en œuvre des projets structurants, notamment ceux d'envergure régionale. La conférence se félicite des avancées enregistrées sur le plan réglementaire avec l'adoption d'instructions spécifiques pour améliorer le cadre d'émission des titres publics et l'instauration de la finance durable en vue de rapprocher le marché financier des standards internationaux, surtout dans un contexte marqué par un développement rapide des nouvelles technologies. Elle note avec satisfaction les mesures de renforcement du cadre prudentiel et de supervision des acteurs du marché financier régional visant la protection des épargnants et la résilience du système financier. La conférence salue la signature de conventions de financement d'assistance technique et de partenariat entre le Conseil régional et les partenaires techniques et financiers tels que le Financial Sector Deepening Africa et l'Agence française de développement pour la mise en œuvre des chantiers de réforme engagés, notamment ceux liés à la modernisation des textes de base du marché, à l'amélioration de la gouvernance sur le marché, ainsi que ceux visant le renforcement des dispositifs prudentiels et de protection des épargnants sur le marché financier régional, ainsi que les mécanismes de supervision des acteurs du marché. S'agissant du processus de changement de dénomination du Conseil régional d'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers, la conférence invite les États à accélérer le processus de ratification du traité de l'UMOA. Concernant le processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO, la conférence salue les avancées enregistrées et réaffirme la détermination des États membres de l'UMOA à poursuivre leur engagement dans ce projet. La conférence exprime ses vifs remerciements à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, pour son leadership et son engagement dans l'adhésion des pays de l'UMOA au processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Au titre de la gouvernance des organes et institutions de l'Union, la conférence a pris acte de l'expiration du mandat du président de la BOAD. Elle salue le travail remarquable accompli par M. Christian Adevelandé, président sortant de la BOAD, ainsi que la dynamique qu'il a insufflée au processus de financement du développement de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement adressent leurs vives félicitations et leurs vœux de plein succès à M. Kimro Meliet-Kone, gouverneur de la BCAO,
pour sa reconduction à la tête de la Banque centrale, ainsi qu'à M. Serge Ekoué pour sa nomination à la présidence de la BOAD. La conférence a décidé de créer un poste de deuxième vice-président à la BOAD. La conférence a pris acte de la fin du mandat du président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et félicite M. Mamadou Ndiaye, président sortant du CREP-MF, pour les résultats remarquables obtenus, notamment dans la contribution du marché financier régional au financement de l'économie. La conférence a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la commission de l'UMOA à compter du 8 mai 2021. La conférence a félicité M. Abdallah Bouraïma, président sortant de la commission, pour la dynamique qu'il a insufflée au processus d'intégration de l'Union et pour les résultats obtenus par la commission sous sa conduite durant les 4 dernières années. La conférence a enfin tenu à saluer le travail remarquable accompli par l'ensemble des commissaires sortants dans le cadre de leur mandat. La conférence a décidé de confier la présidence de la commission de l'UMOA au candidat proposé par la République du Sénégal. La nomination des membres de la commission sur proposition des chefs d'État et du gouvernement interviendra au plus tard le 1er mai 2021. La conférence a adopté un acte additionnel portant réforme du cadre institutionnel de renouvellement des dirigeants des institutions de l'Union. La conférence exprime sa satisfaction au président de la commission de l'UMOA, au gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UMOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. La conférence adresse ses vives félicitations au président Issoufou Mahamadou pour son leadership dans la conduite des chantiers à lui confiés au plan régional et continental et pour son engagement dans l'enracinement de la démocratie au Niger. S'agissant de la présidence en exercice de l'Union, la conférence a élu à l'unanimité Son Excellence M. Rochmar Christian Kabore, président du FASO, comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. La conférence a rendu un vibrant hommage à Son Excellence M. Alassane Ouattara pour son leadership et son engagement dans la consolidation du processus d'intégration sous-régionale. Les chefs d'État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo présentent leurs condoléances à Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et au peuple ivoirien suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il s'associe à l'hommage rendu par le peuple ivoirien à l'illustre disparu. Les chefs d'État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo adressent leurs vifs remerciements à Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les dispositions prises pour assurer le succès de la conférence. Fait à Abidjan le 25 mars 2021 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président en exercice, Son Excellence M. Alassane Ouattara.